الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فايس الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نفنا غي 28 حديث ذي 40 النووية نجمان الله تعالى الدعاء كي لدنو la connaissance كي profitable. Il fait nous comprendre la connaissance et il fait nous mettre en pratique et il fait nous propage ce qui nous fait apprendre. Toujours nous lire hadith, ensuite nous expliquer. عن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال عرباد العرباد بن سارية رضي الله عنه صحابي لجيه وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة le prophète صلى الله عليه وسلم فين في وعظ Waaz, ça me dit que je vais longtemps, quand on fait causerie, waaz. Et je fais une avertissement, je fais un rappel. Wajilat minha al-kouloub, ban l'ekia, fin tremblé. Wazarafat minha al-ouyoun, et ban l'igier, fin rempli avec l'homme. Fakulna ya Rasulallah. Ou bien, zarafat minha al-ouyoun, mais ban l'homme, fin coulé, depuis de l'igier. Fakulna ya Rasulallah. كأنها موعظة مودع ألو نفنجية بجبا صحابة فنجية يا رسول الله كأنها موعظة مودع comme si c'était un avertissement de un djimoun qui peut quitter nous puis aller c'est un rappel de la part de un djimoun qui peut quitter sa dunya là puis aller فأوصينا donc conseille nous قال رسول صلى الله عليه وسلم فنجية أوصيكم بتقوى الله مو de nous autres conseils, ou si comme me wasuyat, me conseille à zut, bitaqwa Allah, pour zut gain Allah, ta'ala ce taqwa. Wa sam'i wa ta'a, pour écouter et obéir, wa in ta'ammara alaykum abdun, même si un esclave in zut chef. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, fa sayarakhti la fan kathira, parce qui, celui qui vive après moi, il trouve beaucoup de ikhtilaf, beaucoup de divergences. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Allo, qui je t'attache, qui je suive, me sunna et sunna de man calife qui bien guidé. Et sunna de man calife qui bien guidé. Addu 'alayha bin nawajid. Littéralement, mod sa sunna là, me sunna et sunna de man calife bien guidé. Avec zut les dents. Moud, sa sunna là, mou sunna et sunna de ban kalif bien guidé, avec zut les dents. Wa iyakum wa muhdathat il omour. Et faire attention avec ban kitseuse qui nous vaut. Avec ban kitseuse qui nous vaut. Muhdathat il omour, faire attention avec ban kitseuse qui nous vaut. Je vais expliquer ce qui me remet pour ça. Fa inna kulla bid'atin dalala. Car certainement, kulla bid'a, tout ban bid'a, Kul veut dire tout. Tout ban bid'a, tout ban innovation, dalala, c'est l'égarement. Tout ban innovation, c'est l'égarement. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Alors, premièrement, nous avons sahabi là, al-Irbad bin Sariya, al-Sulami. Alors, pour la grande information de lui, il est parmi ban sahaba qui est connu comme un Ahl Soufa. C'est qui ban Ahl Soufa? C'est un groupe sahaba parmi les émigrants. C'est un sahaba qui était à Makkah, qui était sauvé par la persécution finale dans Madina. Et c'est un groupe parmi les autres qui n'a pas une place pour habiter, pas quelqu'un pour prendre autre chose. Alors que tu peux rester dans Masjid, tu as fait un Ahl Soufa. Parmi les Abu Huraira radiallahu anhu, un plus grand narrateur du hadith. Ça, sahabi là, c'est parmi les Ahl Soufa qui peux rester dans Masjid. Et le tchipouf. Alors, ce sahabi là, il est venu l'année 75 Hijri. Alors, il y a une grande information sur ce sahabi là. Et il peut raconter, il peut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maw'idhatan, wajilat minha al-qulub, wa zarafat minha al-uyoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une qualité maw'idha, une qualité rappel. Qui ban léger fin vers l'homme et qui ban l'équerre fin trembler.
Alors, ça, des caractéristiques-là, comme Ibn Rajab les dit, هذان الوصفان هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر. Sa décalité là, veut dire vers l'homme, et les qui est tremblé, c'est des qualités qui Allah fin fait praise. Allah in flatte sa décalité là dans ban mukmin. Quand je t'écoute, dhikrullah, quand je t'en rappelle, quand je t'imagine Allah ce matin-là. Ensuite, Imam Ibn Rajab mentionne le verset. Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Certainement, ben croyants, c'est ceux qui, quand je mazine Allah, ou bien quand mentionne Allah, quand fait mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, je les qui les tremblent. Alors, ça, c'est une qualité qui montre qui ça dit mon là, ceux qui rempli avec grandi Allah subhanahu wa ta'ala. Quand mentionne Allah, ceux qui les tremblent. Ça, il a l'effet le holi. Sa qualité d'un vrai croyant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala limite sa qualité là dans nous. Aussi, Ibn Rajab, il mentionne le verset pour montrer comment Allah peut prier sa décalité vers l'homme et les qui est tremblé comme Azin Allah. Allah Ta'ala dit Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a quloobahum li an takhsha'a quloobahum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Est-ce qui n'a pas fini les pour banquer na iman qui je te les qui gagne khashia pour Allah subhanahu wa ta'ala, gagne la crainte et l'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma nazala min al-haqq, et gagne la crainte pour ce qu'Allah Ta'ala révélé depuis la vérité. C'est-à-dire que le croyant lit l'ayat Qur'an, lit un rappel d'Allah, lit une mention d'Allah, lit un attribut d'Allah, lit une cause concernant le jour du Qiyama, celui qui gagne khashia là-dedans. Celui qui gagne khashia. Ça, c'est qualité du un croyant. Ça, c'est qualité du un croyant. Qu'Allah Ta'ala donne nous cette qualité-là. Et puis, il y a d'autres qui sont sahaba, c'est ben meilleure génération qui finit vivre quand le tibétain dans la source de l'alléluia et surtout ici spécifiquement quand fin fait mention ça qui te faisait quand le sahabi l'a dit les fin fait une qualité mort et voit qui ben les qui a fin tremblé ben les fin vers l'homme alors ben sahaba fin dit qu'on a fait qu'on a ya rasoul Allah qu'elle n'a pas mort et voit tout mouad fa ya rasoul Allah c'est comme si un rappel d'une personne qui peut quitter nous puis aller mouad un des gens qui peut quitter, peut faire salam, al-wada, ça veut dire hajjat al-wada, peut faire salam. Alors, ça fait toute une cause avec nous là, ya Rasulallah, comme si c'était quelqu'un qui peut quitter nous puis aller. Veut dire, et Rasulallah, ici, il est un petit peu plus qu'il d'habitude. Quand ça, ben, ça il trouve ça un petit peu drôle de dire sa parole là. Comment dire, on peut quitter nous puis aller. Veut dire, il met beaucoup l'emphase sur ce qu'il a pour dire. Donc, frère, son islam me trouve Rasulallah, il y a une petite chose qui peut inquiéter Rasulallah, là. Il y a une petite chose qui peut fatiguer Rasulallah, il y a une petite chose qui peut faire Rasulallah gagner un souci. Et ça qui peut faire, comment dire, mettre tant d'emphase. Et qui peut faire Ben Sahaba pleurer. Alors, là, Ben Sahaba, je ne finis fil. Je ne finis fil, comment dire, il y a une petite chose, plus divin, Rasulallah, comment c'est comme s'il connaît, qui. Peut-être bientôt les poubisa qui dit et alors Rasulallah les talifs disent sa parole là les talifs font sa mauvaise parole là ben ça va faire une file ça qui dit chose là et Rasulallah comme a dit on peut quitter nous puis aller là je dis yani ausina ya Rasulallah ausina et donne nous conseil donne nous wasiyat donne nous ben conseil ya Rasulallah a dit on ne plie pas on peut pas avec nous là mais donne nous ben conseil dans l'absence. Effectivement, c'est ça qui Rasulallah pour dire là, il pour cause concernant après lui qui peut arriver. Alors là, ben frère et ben soeur en islam, nous demandons pour écouter parole, oublier ce qui m'a dit pour dire, même pas ce qui est Imam Ibn Rajab. Nous pour prendre parole de Imam Ibn Rajab, nous faire une réflexion, nous tous ensemble. Nous tous, quand nous puissions assiser, nous guettons sa oumat, là, cette situation, nous guettons tracas. Nous avons différentes façons de penser, nous avons différents frères qui prennent différentes tendances. C'est une réalité, puis on est pour cacher là-dedans. Mais ensemble, frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah Ta'ala dua, qui ya Rabb, nous putan parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fais nos bases, nos réflexions, l'eau, parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous saisissons ça, hadith-là, comme un, fais comme si, pas fais comme si, c'est une solution qui nous rassoule, c'est une solution qui nous rassoule pour de nous. Une solution qui nous rassure sur l'alayhi wa sallam pour de nous, c'est une solution qui rassure sur l'alayhi wa sallam pour de nous, pour nos problèmes.
qui ne peut vivre lui. Et d'ailleurs, c'est une prédiction que Rasoul alayhi wa sallam pour faire là. En même temps, il peut donner nos solutions. Rasoul alayhi wa sallam, des paroles qu'il peut dire après, il peut faire prédiction, il peut dire un problème qui peut naître au mat, et en même temps, il peut donner nos solutions. Alors, la cause Allah nous tient à tout ban. Nous ban préjudice, comment dire, ban orier pensée, nous essayons d'être objectifs. Nous essayons de guider sa parole-là de façon objective, sans qu'il nous influence par quoi que ce soit. Nous essayons de faire ça. Nous demandons à Allah la guidance, qu'il trouve guidance dans sa jolie parole qu'il nous reçoit, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire nous là. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Kabana Djali donne conseil, il dit, ou suis comme bita kwa Allah, mot conseille pour gagner ta quoi pour Allah ce matin-là. Pour gagner ta quoi, nous avons dit, comme la crainte pour Allah. C'est une qualité d'un serviteur qui lui reste de l'obéissance à Allah et lui reste loin avec désobéissance. Taqwa, c'est quoi? Il saute depuis le mot wiqaya, qui veut dire une protection. Alors, une qualité d'un djimoun qui, sa qualité-là, lui vient une protection pour lui contre Allah Ta'ala se colère, contre Allah Ta'ala se punition dans l'enfer. C'est quoi? Reste de l'obéissance à Allah et reste loin avec désobéissance. Développe une conscience qui Allah Ta'ala à tout moment wa huwa ma'akum aina ma kuntum li avec zot kod zot eti. Allah Ta'ala li connaît qui ne peut faire, li tendait li trouver qui ne peut faire. Allah depuis le trône dans les ciels li connaît qui ne peut faire n'importe qui place qui nous était en secret en public, c'est qu'il a de nous l'écrire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous usui kum bi taqwa Allah mo pe odon zot mo pe conseiller les autres pour la taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dans le Coran dit si je tiens la taqwa, yaj'al lakum furqana. Enta taqullah, yaj'al lakum furqana. Si je tiens sa qualité là dans eux, Allah peut donner eux un furqan. Un furqan, c'est quoi? Une qualité qui fait nous al-fariqu bayna al-haqq wal-batil. Une qualité qui fait nous différencier entre la vérité et la fausseté. Tout vient clair devant nous. Quand quoi? Quand nous n'avons taqwa Allah wa azza wa jal. Nous ne pouvons pas prendre une preuve, un ayat Coran, ou bien un hadith, ou bien mille hadiths, ou bien mille ayats Coran, mais si dans ça qui est là, il y a une clairvoyance, du moins, il n'y a pas gagné la guidance pour ce ayat Coran là. Il n'y a pas gagné la guidance pour ce hadith là. Ça, quand nous prenons cette qualité qui appelle taqwa. Donc, nos premières qualités, premier step vers. Pour nos solutions, premier step pour nous gagner une solution, pour nous solve nos problèmes, pour nous tirer nous depuis dans sa confusion, depuis dans sa situation qui nous était là, c'est à ta croix. Développe ta croix dans l'enseignement. Ta croix lui apparaît dans nous la langue, dans nous l'igier, dans nous l'armée, dans nos membres. Comment il vient d'expliquer dans le hadith précédent, Allah inna fil jasad mudra idha saluha. Saluha al jasad kullu. Certainement dans l'écho il y a un bout de la chair. Si ça l'écho ça bout de la chair là il est bon entier ça l'écho là pour bon. Wa idha fasadat fasada al jasad kullu. Quand ça bout de la chair là il n'a pas bon entier ça l'écho là n'a pas pour bon. Qui était ala wa hiya al qalb. Certainement c'est l'écho. Et dans l'autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit At-taqwa hauna. Taqwa, les trouve ici. Les prophètes prennent sur les doigts, les montrent que sur la poitrine. At-taqwa hauna. Taqwa, les trouve dans l'équerre. Nous pas la réalité de taqwa. Les trouve dans l'équerre. Naturellement, les reflètent l'action, les paroles de N'Djimoun. Mais seulement sur place, sur l'origine, c'est l'équerre. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est lui qui plie. Inna akramakum indallahi. C'est lui qui plie noble. C'est lui qui n'a plus ta quoi. Sa premier pas pour tirer dans nos situations, c'est à ta quoi. Développe ta quoi. Développe sa qualité là, mais reste avec péché. Pas juste péché, avec même, ben, nous finissons à apprendre ça, avec kafratul mubahat, même avec beaucoup de choses qui sont permissibles, nous restons avec lui. Par exemple, ces derniers temps, il y a une masla qui. Ben, Djimoun me pose question souvent. Là, on peut trouver là, les trois Djimoun me pose question. Zoué, ben, Zoué qui n'a. Dice, veut dire. Comment on appelle ça? En tout cas, c'est un qui nous dit Dice, nous Zoué, nous étions dans le numéro là.
Alors, Benjamin pose question Lola. Il y a un hadith clair Lola, pas vu avec sa quitteuse là, les haram, les pas gain droit de galoguer ben fatwa ben savant aussi. Il a pas dit est-ce qu'il gagne droit de lui. Tiens, je prends ben carré là, j'étais dans mon numéro, les bases ou la chance. Alors, il avait posé question le portable, est-ce qu'il servit, est-ce qu'il l'internet, nous gagne droit de jouer, ça va nous jouer, qui a sa dice là-dedans. Même, nous dire, à un moment, nous dire, qu'il partient un hadith aussi. Mais pour un musulman, ben futilité, ben croyance et ben qui détourne avec ben futilité. Ben quelque chose qui pas apporte nous du bien. Un musulman, les basis, quitte lui-même ben quelque chose haram, mais ben quelque chose qui est futile, il reste loin avec ça. Et là, ben quelque chose qui, ben distraction, qui est l'épiémissible, qui est moubah, qui hadith, il recommande nous enlever ça, ben quelque chose là plutôt. Par exemple, il y a un hadith qui mentionnait qu'il y a un djimoun qui passe le temps avec sa famille, les yeux avec sa famille, il n'est pas considéré comme perdu le temps comme là-haut. Les cinq choses importantes, mais dans place, nous pour assiser, nous pour faire ben, quelque chose qui assiser avec nos madames, avec nos enfants. Nous passe le temps avec nos madames, nos enfants. Alors, un croyant, il n'est pas éloigné avec ben péché, avec ben. Mais même ben, quelque chose qui moubah. Il n'est pas plongé complètement dans une chose qui n'est pas pour apporter grand bénéfice de sa dunya ni de l'akhirat. Même si ce qu'a dit Rasoul, il y a un hadith, il y a un djimoun qui fait trop, il peut manger un oiseau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit shaytanun yatba'u shaytana. Un shaytan peut suivre un shaytan. Le djimoun qui veut faire, il peut suivre un oiseau. Alors, ben, ça va expliquer que ce djimoun-là, il n'est pas un hunter, il n'est pas un chasseur. L'ibésis perd sur les temps pour suivre sa oiseau là. Il n'y a pas aucun objectif là-dedans. Alors le prophète dit, pardon, un shaitan peut suivre un shaitan. Donc ta quoi, il fait nous rester loin avec ben quelque chose futile. Ta quoi, il fait nous servir maximum nous les temps dans acquérir un thawab. Maximum nous les temps, d'ailleurs, le mois de ta quoi peut venir. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh ben qui n'a iman, suyam fin d'être prescrit à l'eau pareil comme elle était prescrit à l'eau qui avant zut, la'allakum tattaqun, afin qu'ils aient acquérir un taqwa. Ribada de sa généralité, il fait pour faire du monde gain taqwa. Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh ben du monde, ado zut. Rab, celui qui finit créer zot et ban qui avant zot, la'allakum tattaqun. Tous les deux versets finissent par la'allakum tattaqun, afin que tu acquéries ta quoi. Donc, un djimoun, les bisins font des efforts, développent, augmentent ce ta quoi. Et c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut dire non. Les dents nous gagnent ta quoi, n'est pas pour bayast. Quand le Coran peut venir devant nous, même si ayat Coran là, il compte moi, il compte mon groupe. Même si hadith là peut venir, il compte, hadith là clairement il peut contredire mon opinion qui m'a fait adopter. Qui m'a pour faire? M'a pour suivre Coran et hadith. M'a pour suivre Coran et hadith. M'a pas pour laisser moi bias dans mon jugement. Donc, ta quoi, les faits, nous, vingt sa qualité du monde qui nous fait Coran, quand nous pouvons, elle a ta quoi dans nous pour faire Coran et Sunna, vingt nos guidances, nos références par lesquelles nous laissons nous guider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa sam'a wa ta'a pour conseiller les autres pour écouter, pour obéir. Il dit écoute le chef et obéis à lui. Alors, ici, quand nous guettons Ibn Rajab, et le prophète dit écoutez, obéir, in ta'amma wa in ta'ammara alaykum abdun, même si un esclave in vin azot la tête, vin azot chef. Même si un esclave, ta'ammara in vin azot chef. Alors, Imam Ibn Rajab lui dit, Amma taqwa, fahiya kafila bi sa'adati dunya wal akhira, liman tamassaka biha. Il dit, taqwa, ça lui garantit nous qu'il nous pour gagner la joie dans ce monde-là et dans l'akhirat. Taqwa, quand il y a taqwa, il nous garantit qu'il est sa dunya-là, nous pouvons dans la joie, sa'ada, nous pouvons happy de sa dunya-là et dans l'akhirat. Il dit, Amma sam'u wa ta'a li wulati umur il muslimin. Quant à l'obéissance, écouter et obéir à un chef de ban musulman, fa fiha sa'adati dunya. Là-dedans, il y a la joie, il y a la sa'ada, la joie de ça le monde. Mais dit qu'à obéir à un chef, il peut amener
la joie de Salomon là. Wabiha tantadhim masalih al-ibad fi ma'ayishihim. Et pas obéir, écouter et obéir, ça lui permet l'aude, tantadhim. Lui permet l'organisation, l'aude dans la vie de ban croyant, de ban serviteur. Wabiha yasta'inu ala izhar dinihim wa ta'ati rabbihim. Et c'est pas l'obéissance à ban chef qui ban croyant je pour capable faire ce din prévaloir. Et je pour capable faire l'obéissance à la prévaloir. Donc, sa chef-là, quand vous obéissez, dans cette obéissance, il a du bien pour sa dunya-là. Vous pouvez capable, vous avez une affaire moderne, vous organiser tout qui est dans l'harmonie, vous avez une façade, vous avez une corruption, vous avez des eaux de la terre. Et en même temps, par l'obéissance à votre chef, idhar ou dini, nous pouvons capable faire une dîme prévaloir. Belle clé là-dedans, là. Mais c'est sa chef qui. Li pas se proclamer, li peut faire fan façade de la terre. Sa chef qui li peut faire li, au lieu, li peut faire dimon avec Alverdin, li peut faire façade de la terre. Li peut faire dimon suivre façon de faire de ban juif et de ban nasara. Ben li peut invite vers koufre. Quand li peut faire danser, synthèse, li peut faire l'autre faire concert. Elle a tatabi'anna sunan man kana qablakum. Je peux suivre ban, pas de ban qui t'a avant eux. Mais quand lit le chef, il peut faire non suivre sa parole là. Mais qui était? Alors, ça qui a été chef là, c'est un dimoun qui peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, comme l'imam al-Tahawi, c'est une affaire de Aqidah, de Tahawiya. Clairement, il mentionnait, nous comptons Ahlul Adl, nous comptons les gens qui ont la justice dans eux. Et nous détestons les gens qui ont l'injustice. C'est un qui peut la guerre qu'on dîne pour protéger le pouvoir. C'est un qui peut détruire dîne. Pour jouer l'intérêt personnel. Ban qui peut faire l'intérêt de famille, passe l'eau, l'intérêt oumat. Pour jouer action, je peux détruire din dans l'équipe ban di moun. Mais ça, c'est pas ça. C'est pas ça qu'a été chef là, ça. Alors, la cause, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs, quand nous pouvons lire la politique islamique, nous pouvons trouver qui fait apponte un calife, qui fait apponte un chef. Parmi ce ban duty qui les bisins supposés faire, c'est qui les bisins fait la justice entre les gens et implément din Allah subhanahu wa ta'ala et non pas détruire Allah subhanahu wa ta'ala ce din et non pas laguer ban qui peut cause la vérité loi Allah subhanahu wa ta'ala ce din et non pas emprisonner ban qui peut cause la vérité et manigance din pour faire croire que ban qui peut cause la vérité c'est ban khawarij. Ça non, ça un musulman les bisins intelligent, un musulman les besoins injustes et intelligents, les besoins lire, et surtout, ça demande qu'appelle siyasa sharia, la politique islamique, aujourd'hui, il y a un manquement là-dedans. Il y a un gros manquement là-dedans, ben, dis-moi, ne pas lire de la politique islamique. Qui s'en va qui gagne droit à devenir un chef? Qui fonction de un chef? Quand besoin tiali, ben, et qui s'en va qui apporte un chef? Et quand besoin tiali, tout ça là, ben, ça va une causer ça. Dans mon livre, concernant à siyasa sharia, comment, Sultan al-Mawardi là, livre là parce que non pas bien Ahkam al-Sultaniya, Ahkam al-Sultaniya de l'imam al-Mawardi, ça m'a ancien al-Juwayni al-Riyad al-Riyafi, ben ça va une cause de la politique islamique. Donc ici sa chef qui juste bisa obéyali, as-sam'u wa ta'a, même s'il y a un esclave bisa obéyali, s'il y a un djimoun obéi à Allah subhanahu wa ta'ala bisa obéyali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il continue de dire fa innahu voilà get le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait prédiction fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira, parce que c'est lui qui peut vivre après moi il peut trouver beaucoup de khilaf, beaucoup de divergences, et c'est lui qui ne peut vivre rien aujourd'hui. Man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira, il peut trouver beaucoup de divergences. فعليكم بسنتي الو اتزت avec ma sunnat و سنت الخلفاء الراشدين اتزت avec sunna de ban calife qui bien guidé. Allo, ça hadith là imam ibn rajab li jiye mention explication de imam ibn rajab هذا اخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف. Ça c'est un إخبار, une information qui le prophète peut donner concernant ce qui peut arriver dans son ummat après lui. Quand il y a كثرة الاختلاف, il y a beaucoup de divergences في أصول الدين, dans le fondement du din,
Et la bonne branche, fondement de din, c'est concernant l'akhida, hein, concernant la ben, croyance dans Allah, dans le Qadar, dans Allah subhanahu sifat, et aussi de la ben, parole et la ben, action et la ben, croyance. Fi al-aqwal wa al-a'mal wa al-i'tiqadat. Veut dire pour une ikhtilaf dans usul, dans le ben, fondement de din, et aussi de la ben, furu', de ben, la loi, hein, de la ben, petite chose qui n'est pas courante dans l'akhida. La façon de faire le man la loi man ahkam il dit wa hadha muwafiq lima ruya anhu min iftiraq ummatihi ala bid'in wa 70 firqa et imam Rajab dit ça qui prophète pédier là après moi pour il y a beaucoup de divergence ça lié en accord avec ce que les prophètes fin dit dans l'autre hadith pour il y a 73 sectes un seul qui pourra dans la jannat انها كلها في النار الا فرقه واحده il dit tout pour dans l'enfer, excepté un seul. وَهِيَ مَنْ كَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ Et qui ça, un seul qui pourra, un groupe qui pourra dans la jannat là, haditha, les wording haditha, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ الْيَوْمِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ وَأَصْحَابِ Qui ça, un groupe qui pourra dans la jannat là, c'est un groupe qui, les poulots, ce qui prophète peut pratiquer, ce qui, les prophètes disent ce qui m'a été, les poulots, ce qui m'a été. Veut dire le chemin qui moi m'a été et ce qui vos sahaba a été. Veut dire ça c'est répéter, ça c'est répéter. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui fait veut dire ça? Ce qui moi m'a été, le chemin qui moi m'a été. Pour qu'il nous prenne ce même chemin. C'est ça la référence Mazir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ce qui ban sahaba fin pratiquer. Et c'est ça même qu'il dit. Il dit هذا الحديث أمر عند الاختلاف عند الافتراق والاختلاف. Alors, il y a l'autre de ce hadith-là. Et là, ça, c'est. Ça, c'est une nuit de vol. Les prophètes bien informés, là. Nous avons des informations. Et nous trouvons réalité de ce que les prophètes disent. Qui nous réaction? Ça qui plie. Ça qui plie, c'est important, là. Qui nous réaction, c'est-à-dire, face à sa situation-là? Qui l'autre nous gagne avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Qui bien fait? Alors, les prophètes, Ibn Rajab, expliquait, il dit. Fi hadha al-hadith amrun. De ce hadith-là, il y a l'autre qui nous peut gagner avec les prophètes. عند الافتراق والاختلاف au moment qu'il y a divergence et la dissension بالتمسك بسنته وبسنة الخلفاء الراشدين من بعد c'est qui l'a nous gagné pour qui quand il y a divergence nous retourne vers ce sunna et nous retourne vers sunna de ban khalif bien guidé nous retourne vers ce sunna et sunna de ban khalif bien guidé ban khalif bien guidé c'est Abu Bakr Omar Othman et Ali comment nous connaissons ces quatre khalifs là et un hadith qui mentionné pour il a 30 ans de khilaf à Rashida. Pendant 30 ans, après moi, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, pour il a un calife qui bien guidé. Quand nous guettons, nous pouvons gagner ces 4 califes-là, les tombes de ça, 30 premières années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces 4 prophètes sallallahu alayhi wa sallam et ces 4 califes-là, c'est répéter. C'est nous répéter. Là, beaucoup de gens qui disent, aussi longtemps qu'il y a un savant, l'IPE, naturellement, c'est un savant qui déduit la loi. Un savant, l'IPE attaché avec hadith. Les piatas liés avec ce qui est dans le Sahaba fin faire, quand il y a une divergence d'interprétation. Mais seulement ça savant-là nous guette ce qui lui cause pas passion, ou bien ça savant-là, les piatas liés avec sunna et sunna de man calif bien guidé. Ce principe c'est quoi? Mais seulement, il est capable d'avoir un hadith, mais seulement nous capable d'avoir une différence d'interprétation. Capable d'avoir un hadith, la gente du monde libre. Ça savant qui peut déduire la loi, il peut accomplir ce devoir. Ce devoir, c'est quoi? C'est retourner vers Coran et Sunna. Il retourne vers Coran et Sunna, vraiment. Le savant, il retourne vers Coran et Sunna, vraiment. Mais seulement, il y a une divergence d'interprétation dans ce hadith-là. Ce qui arrive à différentes conclusions. Vous ne connaissez pas, moi, capable qu'il y ait un exemple en tête là. Par exemple, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Quand un parmi eux les rend de masjid, fallait pas qu'il assise jusqu'à qu'il fait des rakat. Des rakat, c'est un peu de tahiyatul masjid. Bien du monde, il rend de masjid après namaz asar. Il fait namaz asar dans l'autre place, dans l'autre masjid. Et finalement, l'autre masjid avant maghrib, 30 minutes avant, ça veut dire qu'il y a un cours après asar là. Il rentre, est-ce qu'il fait ça des sunnah là ou bien il n'y a pas fait? Ça des tahiyatul masjid est-ce qu'il y fait ou bien il n'y a pas fait ikhtilaf là, il vient de l'interprétation hadith parce qu'il y a un hadith qui dit pas fait aucun nawafil après namaz asar ici le prophète peut dire 40 dans masjid n'a pas assisé aussi longtemps faire des rakat
des rakat, et un autre hadith aussi qui dit pas faire aucun nawafil après namaz asar. Donc là, nous avons une divergence d'interprétation. Mais c'est moi, ça va être différent. L'opinion qui émane depuis sa bande avant là, je peux baser le Coran et Sunna. Ça n'a peine aucun problème au niveau du ban genre de la masse. Ça va être une affaire là concerne ban savant. Aussi donc, je vais avec la Sunna. Alors, c'est lui qui fait errer sa bande savant. Pas nous, hein? Pas nous qui fait stirat sa bande savant là. Si arrivé, je ne fais errer de N masse là, je gagne récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand le chef, quand le juriste, al-hakim, le juge, al-hakim, quand il paye un juge, il paye un juriste, il paye un faqih. Quand le juge, il paye ce véridique, fa'aswaba, il gagne la bonne réponse, falahu ajran, il peut gagner des récompenses. Wa idha akhta'a, falahu ajran. Mais quand il fait erreur, il y a une récompense. Ça veut dire, quand il y a une bonne réponse, il y a une récompense pour sa réponse, il y a une récompense pour ses efforts. Si arrivé, il fait erreur, il donne la mauvaise réponse, il peut gagner une seule récompense, mais il va gagner un péché pour sa erreur qu'il a fait. Il y a une récompense pour ses efforts qu'il a fait. C'est ce qu'on appelle ijtihad. À cet ijtihad, il n'est pas pour moi, il n'est pas pour vous. Ben savant, je ne finis d'un verdict et je ne finis d'un fatwa, je finis d'un manahkam. Alors, je n'ai pas le droit pour faire ijtihad. Je suis capable de faire ijtihad. Ça, il y a les ma'adour, c'est lui qui fait erreur, lui qui est pardonné. Même Ben Sahaba, tu arrives dans la présence du prophète tout le temps pour dire, c'est même qui est quelque chose extra important, Hadalouman Biza Ina Sahatu Sadra. Nous sommes capables d'accepter nos camarades être différents avec nous aussi longtemps qu'ils les attrapent sous le nain. Mais d'une façon qu'ils les prennent l'autre interprétation de l'autre savant. Nous sommes capables d'accepter lui. Qui fait nous besoin impose pour nous. Qui fait nous besoin impose pour nous aussi longtemps qu'ils nos frères les peuvent suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils peuvent faire ses efforts lui, d'après son capacité pour les prendre depuis un savant. Même qu'il aussi les prend depuis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la présence de... du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoute-moi bien, mon frère. Une fois pour toutes, nous devons développer sa qualité là-dedans. Qui fait nous dire ça, frère, c'est en islam? Il donne nous la peine quand nous trouvons un démon, peut discuter. Il est vraiment agaçant, il est vraiment. Il finit nous les niaises. Il fait nous gagner faible. Fait nous gagner faible quand nous trouvons un démon, peut la guerre, le ban masla fiqh, ban masla qui ban savant et divergé. Pendant 4 siècles, ben savant fin pas fini na ijma. Ijma quand il y a consensus. Qui veut dire ijma? Tout savant est tombé d'accord avec quelque chose. Par exemple, il y a consensus qui tarawih les prescrit dans din. Personne pas capable de dire qui tarawih c'est un bid'a. Il y a ijma alors là. Il y a ijma. Ça pas capable faire les contraires de ijma. Mais il y a ben masla côté na divergence entre ben savant même. Écoute-moi bien ça l'exemple. Hadith très connu, Banu Qurayza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec un groupe sahaba, Allah Banu Qurayza n'a pas fait namaz asar, excepté la tusallu illa fi Banu Qurayza. Ou comme a dit alayhi salatu wa sallam, n'a pas fait namaz excepté dans Banu Qurayza. N'a pas fait namaz excepté quand on arrive de Banu Qurayza, de sa tribu là-bas. Quand on peut aller en chemin, les namaz peut traverser. Un groupe sahaba, j'ai besoin de faire namaz. L'autre groupe dit non, pas besoin de faire namaz. Mais comment ça? Comment est possible ça? Le prophète n'a pas fait namaz. Le prophète n'a pas fait namaz, excepté dans Banu Qurayza. Un groupe dit non, besoin de faire namaz. Mais c'est un groupe qui peut dire besoin de faire namaz. Il peut contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais il peut contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Guide comment je ne comprends la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis qui, je vais dire cette réflexion. Je ne vais pas mentionner, mais nous essayons de comprendre le hadith de Bukhari. Le PC comprend, ben Sahaba là, qui fait, parce que Sahaba, ça, c'est pas pour désobéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait, je ne dis pas faire namaz, malgré qu'il ne dit pas faire namaz. Les namaz peuvent traverser. Et il y a une kitsuse établie dans le din, ça, qui namaz peut faire dans l'air. Inna salat akanat ala al-mu'minina kitaba mawkuta. Salat est prescrit de façon de banlier spécifique. Allah dans le Coran vient de dire ça. Alors, sa parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'interprète à la lumière de sa ayat Coran.
Le prophète peut dire non comme ça qu'il fallait pas faire namaz excepté de Banu Qurayza. Ce meaning c'est peut dire faire vite rendre de Banu Qurayza de les namaz et faire autre namaz. Mais si puis arriver là, c'est qui peut arriver là les namaz puis aller. Nous sommes capables d'attendre les namaz, aller nous faisons faire namaz dans l'air. Le groupe dit non, prophète il dit pas faire, pas faire. Donc and then get intent, l'objectif derrière la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. And then il stick avec Zahir, veut dire avec ce prophète indien de sous l'apparent. Et sa tendance là, quand vous êtes dans le fiqh, ne vous trouvez pas ça. Quand vous étudiez le fiqh, ne vous trouvez pas. Il y a un man savant qui, surtout, je peux attacher de côté l'apparent de man texte. Il y a un man qui, je get beaucoup l'intention derrière man texte. Alors, brièvement, il est comme ça, dans sa généralité, hein, dans une façon bien bref. Alors, ça, c'est. Ban sahaba qui tan sa bolen sur direct de la bouche de Rasulallah alayhi wa sallam. Ban sahaba qui comprend arabe qui n'importe plus qui n'importe qui ça n'a. Je ne vive révélation Coran, je ne vive avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa présence, je n'arrive à des différentes conclusions. Mais 14 siècles après, surtout une quitteuse, là ça masse là, pas fait namaz de Banu Qurayza. Mais j'ai dit, mentionner le hadith, est-ce qu'on peut y prononcer? Bien qu'il y ait qui ne paraît de Coran ni de hadith, ne pénalise pas. Un issue qui pénalise de Coran et hadith directement. Parce que la société est évoluée. Il y en a différents man qui apparaissent. Mais il y en a beaucoup qui pénalise de Coran et hadith directement. Par exemple, transplantation organe, transfert du sang. Dans Ramadan, par exemple, un exemple, nous donner du sang du monde. Ou bien nous faire une analyse du sang. Ou bien du monde servi la pompe dans le mois de Ramadan, ça va de masse là, la peine, parce que les bourreaux, pas tiennent la pompe, pas tiennent pas l'appareil qui est asthmatique servi, mais pas tiennent les bourreaux, les prophètes, pas prenez le Coran et Hadith, ben un savant, bise faire ijtihad, bise faire, prend ben principe général de Coran et Hadith, je vais interpréter, je vais faire analogie. Mais l'inaturel qui ben du monde, je peux arriver à différentes conclusions, parce que ben du monde, je te racle, ben savant, je façon de penser n'est pas pareil. Il y en a beaucoup, ben, c'est lui qui étudie le fiqh. Maurice Bête, comment un djimon n'étudie din, et surtout un djimon qui n'a étudié le fiqh moukaran, un fiqh comparé. Veut dire, il compare ben, différents mazahib, ben, différents paroles de ben savants. Là aussi, nous, il y a un fanatisme dans nous. Nous, à l'étudier fiqh et nous étudier, dans le étudier fiqh, nous étudier bien souvent, ben, divergence qui est dans ben savant et cause de ben divergence. Là aussi, nous, on peut gagner un fanatisme dans nous. Mais ça dit, mon qui parle de là, comment il pourrait réagir. Alors, on veut dire qu'il nous prend ça ensuite. Ça événement, ben, nous courons dans ce hadith Bukhari. Ibn Omar rapporte ça. Il dit comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin réprimant de personne. Quand il finit connu cet événement-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin réprimant de personne. Subhanallah. Simple, il nous retourne vers l'enseignement du prophète, sa manichtila de ban foro qui ban savant. Ça n'a pas besoin d'un admité là. Il n'a pas besoin d'un fait ça, venir un issue pour la guerre, pour finir l'énergie ou mettre là-dedans. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous retourne vers ce sunnah, et sunnah de ban calife bien guidé, dans de ban action, dans de ban amal. Alors, ça c'est très important. Ensuite, l'imam Ibn Rajab dit à nous, enfin nous connaît qui, quand les prophètes peuvent de nous suivre ce sunnah et suivre sunnah de Ban Khalif bien guidé, ça peut montrer nous qui sunnah de Ban Khalif bien guidé, c'est un dalil dans din. Quand Omar radiallahu anhu il a institué namaz tarawih, le fait qu'il s'est Omar fin instituer ça, c'est un dalil, une preuve dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben sahaba fin d'accord avec lui, personne pas fin afin de dire non Omar te ferait et naïjma comme ça même nous gagne Othman radiallahu an le jour de Jumma les fin de dire une azan au dans les bruits du prophète sallallahu alayhi wa sallam tina un seul azan pour Jumma et là imam lui montre le minbar de azan après commence khutba sa première azan qui donnait de Jumma là 30 minutes avant khutba pas tina ça c'est Othman radiallahu an qui fin instaure ça fin introduire sa azan. Alors, quand il dit, mais qui brève? Il y a sa azan là, il y a. Après, c'est Othman, prophète, il y a nous suivre, ben calife qui bien guidé, ben il peut suivre Othman, radiallahu anhu, prophète, il y a nous suivre, sunnah de ben calife bien guidé. Et aucun sahaba pas fait le pose Othman, radiallahu anhu.
Donc, guide comment ben sahaba, c'est ben répéter dans le dîme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit addu alayha bin nawajid. At maudi sa sunna la sunna du prophète et de ben calife bien guidé après lui. Guide nous secours, frères et sœurs en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Faire attention avec ben qui se nouveau dans le dîme. Fa inna kulla bid'atin dhalala. Parce que toute innovation, c'est l'égarement. Toute innovation, c'est l'égarement. Ibn Rajab, Moulia Ibn Rajab, sur parole, il dit à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur parole, kullu bid'atin dhalala. Toute innovation, c'est dhalala, c'est l'égarement. Min jawami'il kalim. Ça bout, kullu bid'atin dhalala, il faut partie dans le prophète sur qualité, ça y apparaît là-dedans, jawami'il kalim. Il dit le prophète, il y a une qualité qui doit tchigit mot. Il dit beaucoup qui tueuse. Il dit ça que le bédatin dans la la, il faut partir dans sa qualité qui appelle Jawam et Al-Kalim. Il y a trois mots. Koulou, bida, dans la la. Koulou, bida, dans la la. Si le dimanche tu commences à trois mots là, si le dimanche tu commences à trois mots là, parti pour une bidra de umma. La yachrouju anhu shay, non, il n'a pas sorti. Quand les prophètes disent cool, les prophètes disent la yachrouju anhu shay, non, il n'a pas sorti depuis de sa phrase là. Dites comment Ibn Rajab parole le ban savant Aslun, il dit Houa Aslun Avim, c'est un principe Avim, énorme dans le din, ça, min usul le din. Kullu bid'atin dhalala, tout bid'a, innovation, c'est l'égarement. Kullu bid'atin dhalala, tout bid'a, c'est l'égarement. Houa Aslun Avim, min usul le din, c'est une base fondamentale, Avim, énorme, parmi les fondements du din. هو شبيه بقوله sa phrase كل بدعة ضلال pareil comme le prophète sur parole من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Ça c'est deuxième hadith nous apprenons. Hadith tellement important qu'Imam al-Nawawi il met ça deuxième hadith. Après إنما الأعمال بالنية. Deuxième ou bien troisième au commencement en tout cas. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Il pareil comme la parole du prophète صلى الله عليه وسلم c'est lui qui fait un aménien qui se nouveau, ahdatha, hadith fait un qui se nouveau. C'est lui qui fait un qui se nouveau, fi amrina donne ou din, fa huwa rad, y être rejeté. Pas venir dire, mais nous pouvons servir Facebook, nous pouvons servir caméra pour enregistrer, pour faire partie de servir. Pas dire ça, man raisonnement bête là. Pas amener ça, man carte raisonnement bête là. Pareil, comme un dimon, j'allais comme ça, hein, à cause de maladie, reste dans la case, les diaou, dimon peut sortir, puis allo, dimon peut aller au supermarché. Bon, un petit guide de bon sens, un petit guide de logique, un petit guide de logique. Ce qui dit, on ne fait pas une preuve dans din, ça. Ce qui dit, on ne fait pas une preuve dans din, ça. Nous ne sommes pas responsables pour ce qui dit, on ne peut faire. Nous sommes responsables pour guider qui nous dit, l'indien, nous. Quand il y a la pli, l'indien, nous reste dans nous la case. Mais quand il y a maladie, quand il y a maladie, qui vous fait? Ça, la vie en jeu, ça. Vous ne pouvez pas comprendre comment dit, on a mis sa mangate logique là. Hein? Dis-nous comme ça, la cause, mais c'est hadith même qui peut dire nous ça. Hadith même qui peut dire nous, au contraire, Ibn Mas'ud, le hadith, il dit, ou bien Ibn Abbas, c'est entre les deux, il dit comme ça, je vais trouver ça drôle, c'est qu'il est meilleur que les autres infirmiers. Dans cette époque, si tu trouves ça drôle, quand il peut dire, pas vite namaz à cause de la pline tombée, je vais trouver ça drôle, man, je vais trouver ça drôle. Révérifiez hadith, vous guettez. Il dit, c'est qu'il est meilleur que les infirmiers. Ce parole, ça n'est pas assez clair. Prophète Bandjanou retourne vers Sahaba. Sahaba, il fait lui. Et ce parole, en plus de ça, que Bandjanou, de cette époque, tu peux trouver les drôles. Mais il est vraiment les drôles. Hein? Il peut dire, il reste là, il est vraiment les drôles. Il peut dire, il parle, imagine, il fait pour faire la masse. Les hommes, ils font faire la masse dans la masse. Mais pas la cause passion qui peut dire ça. Pas pour passion. Basé aux preuves. Basé aux ban l'objectif de la charia pour protéger la vie du monde. Alors, digne cette compréhension, c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui amène une quitteuse nouveau dans din, fi amrina, fi dinina, dans nos affaires. Pas amène sa man logique là, qui a dit, moun pe servi juice, alors vous avez fait telle affaire. Ça man affaire moderne, mais il n'y a pas fond parti dans, mais man affaire, man moyen, technologique. Alors ce matin, nous servi li, dans ban quitteuse moderne, dans din, nous pas servi li. Excuse-moi, dans din, Dandine veut dire, excuse-moi, vous redis sa parole là. Dandine nous pas amène qui se nouveau. Dandine nous fait innovation.
Dans Dîn, ne pas faire quelque chose de nouveau. Dans Dunia, ne faire pas d'innovation. Aussi longtemps qu'il n'est pas contredit le principe de servir le tout, servir avion, servir satellite, servir. Vous ne comprenez pas. Ça, dans l'innovation, dans Dunia, nous servir un micro pour de Nazan, pour du monde de Nazan, nous servir un moyen pour recueillir la connaissance à travers caméra, à travers ben, moyen qu'Allah a talent de nous. Mais concernant Dîn, Dîn est bien pareil. Dîn, pratique Allah soumata là, est basé, il y a un principe en cause qui me trouve extrêmement drôle. Extrêmement, extrêmement drôle. Un frère, il tient un ça, il mentionne. Comment ça s'appelle? Il mentionne un principe. Al-asl fil ashia al-ibaha. L'origine concernant ban kitsos, c'est la permissibilité. Il y a un principe d'ordine, al-aslu fil ashia al-ibaha. L'origine concernant ban kitsos, c'est la permissibilité. Par exemple, un dimon pas pouvin pose ma pas capable de poser ma question, ben imam ça ben met au pot de verre. Qui prive de hadith qui en met au pot de verre? La question se pose pas. La question se pose pas. C'est lui, Allah, qui finit créer pour eux tout ça qui est dans le salatier là. Ça, il y a Coran là, peut montrer nous qu'à l'origine, tout le monde quitte le salatier. À l'origine, the general rule, la règle générale, c'est qu'il y a une quitte moderne, c'est la permissibilité. Vous avez le droit de manger mangue, vous avez le droit de boire jus, limon, vous avez le droit de monter cheval. L'origine concernant la quitte moderne, c'est la permissibilité. Alors, ça, frère, là, il peut venir montrer qu'il 8 rakat tarawih bid'a, il peut servir un principe pareil. En tout cas, lié à ça, là, en tout cas, c'est qui Dimoun peut presser pour faire pour dire bid'a. Aussi, ça aussi, Dimoun, quelque chose qui est basé le Coran, le Hadith, Dimoun peut dire bid'a. Et quelque chose qui peut être dans le Coran, le Hadith, ça, Dimoun peut prendre comme sunnah. Alors, il fallait être juste, il fallait nous être juste, et ça, principe. Al-aslu fil ashia libaha, ça li concerne man kitsuz moden ça. Li pa concerne kitsuz din ça. Ad-din, man savant dit al-ibadat tawqifiyya. Ban ibadat li baz lo tawqifiyya, veut dire li baz aux preuves. Ban al-ibadat tawqifiyya. Ban ibadat li baz lo preuves. Ribadat li baz lo preuves. Si un dimon li vini, il invente un ribadat. Il dit, moi, mon compte Allah, vous faites trois, vous faites trois sijda. Au lieu de faire des sijda de la main, vous faites trois sijda. Mais qui nous dit à cause du bon, à cause sa kitsuza, sa bon, il fait plus beaucoup de bon. Non, ribadat, li base l'eau, ribadat, li base l'eau preuve. Ribadat, li base l'eau preuve. Donc, fallait pas qu'il nous ajoute dans le dîn. Fallait pas qu'il nous ajoute dans le dîn, parce que ce principe-là, al-ribadat tawqifiyya, ban ribadat, c'est. Les bases de la preuve, comme on va dire, c'est un principe d'ordine. Al-ibadat tawqifiyya, les bases de la preuve, il dit Coran et Sunna. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut mettre en garde contre bid'a. Et kul la bid'a tin dola là, si ne pas prendre précaution avec ce qu'appelle avec bid'a, c'est. Il permet de nous vers l'égarement. Il permet de nous vers l'égarement. Nous terminons avec sa parole là. Ibn Rajab dit déjà, فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا tout le monde qui amène un kitsu nouveau, نَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ il a attribué ça à Dîn, لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّينِ et sa kitsuse là, il n'a aucun fondement dans Dîn, يَرْجِعُ إِلَيْهِ لَوْلَكِنْ لِي رِبُزِي فَهُوَ دَلَالَ tout le monde qui amène un kitsu qui est nouveau, et il a attribué ça avec Dîn, et ça, il n'a aucune preuve qui est basée dans Dîn. Il n'y a pas aucune preuve depuis dans Dîn, c'est l'égarement. Et Dîn, il n'a rien à faire avec ça qui est nouveau là. Donc voilà, frère et son islam. Et un petit peu, ça dit, Haditha, il est important. Et je t'excuse-moi pour un petit peu pour mouton un petit peu parce qu'il y a un petit peu de quelque chose qui nous traverse, un petit peu fatigue nous, ça va une attitude qui nous peut trouver. Allah Ta'ala fait nous pratiquer nos Ramadan avec l'esprit posé. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala les fait nous continuer à apprendre et pas pressé pour quoi concernant Dîn. Réfère, nous avons nos quatre savants, Imam Abu Hanifa, Malik, Shafiri, Ahmad ibn Hanbal, qui ont accepté cet imamat dans Dîn. Ces quatre imams-là, ces quatre repères.
Tout Tablik Jamaat, Sunat Jamaat, Barelvi Jamaat, tout Jamaat Kapavena, je tout reconnais Saman Aïma là. Alors, ça nous va nous réveiller dans le dîner Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pratiquons le dîner avec précaution. Malgré qu'il nous vient dire, nous, sous ces Coran, Sunna, nous avons besoin de paroles de savants naturellement, parce qu'il n'est pas savant, mais nous répéter final ces Coran et Sunna. Et qu'Allah Ta'ala aide nous clairvoyance de nous dire, si on a quelque chose qui bon nous fait dire, les vins depuis moi-même, et bien quelque chose qui est arrivé dans là-dedans, si on a quelque chose qui bon fait dire bon, les vins depuis Allah plutôt, si on a quelque chose qui bon, on fait dire les vins depuis Allah ce matin-là, et si on a quelque chose qui mauvais qui nous fait dire, les vins depuis nous-mêmes et depuis le shaitan, il demande à Allah Ta'ala pardon pour les erreurs qu'il ne fait pas faire, et il donne nous ta croix, comme les prophètes nous conseillent nous, aussi comme nous ta croix Allah, qu'Allah Ta'ala fait nous gagner ta croix, et fait nous prendre. En précaution pour cause concernant ce dîme. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.